Bipez-moi un peu Aïcha là. Bipez-moi un peu Aïcha là. Je crois que votre petite manipulation que vous faites sur les réseaux sociaux là, ça a tourné comme ça jusqu'à arriver jusqu'à moi. D'accord. Bipez là, bipez là. Je veux voir comment vous la taguez. Taguez-moi la fille un peu ici là. Je vois que trop de familiarité engendre vraiment le mépris, hein. Trop de familiarité engendre vraiment le mépris. Oui. Quand tu laisses un peu, tu montes un peu les dents avec les gens, ça devient le mépris. Ça devient le mépris. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Peut-être ton ami, quand il t'a appelé, quand il t'a appelé, peut-être ton ami, quand il t'a appelé, pour te dire que vous devez faire le duo contre Malox, tout cela. Il ne t'a pas bien expliqué ce qui s'est passé. Il ne t'a pas bien expliqué. Mais je crois que tu vas finir par comprendre ça à tes dépens. Parce que le début de ta chute, c'est l'arrogance. Je vois qu'il y a un peu trop d'arrogance maintenant dans tes mots. Je peux faire, je vais faire, on m'a déjà. Qu'on ne te trompe pas, hein? Qu'on ne te trompe pas, hein? Qu'on ne te trompe pas. Je dis bien qu'on ne te trompe pas. Voilà, c'est le mal dedans qui jette le lion au sol. Qu'on ne te trompe pas. Je vois que peut-être là où tu es là, comme ton ami t'a appelé pour te dire que bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça, Malox va faire comme ça. Tu te trompes très mal. Tu te trompes comme le jour où il allait déposer la plainte au CERF, en se disant que le man qui le tourmente là, que le man qui le tourmente là, dès qu'il va arriver là-bas, il va organiser, on va mort. Un vieux bandit, vous allez m'arrêter comment? Un vieux bandit, vous allez m'arrêter comment? Hein? On sent les gens qui n'ont même jamais eu les matas dans leur vie. Il est allé dire que, il allait dire que. Je gère les matas H24. J'ai l'un des bars les plus populaires de Yaoundé. Je gère les problèmes H24. Tu ne peux pas gérer les problèmes là où je gère les problèmes. Tu te mets sur Internet, petite manipulation. Tu veux m'amener le mépris. Moi, je te dis que toi, tu ne peux pas m'amener le mépris. Je dis que toi, tu ne peux pas m'amener le mépris. Et tu dis que tu vas profiter du clash avec moi pour faire ton business. Ça, c'est les erreurs. Parce que demande bien à ton ami Steve Londepso, hein. Comment il était arrivé là-bas, il s'est mis à pleurer que, oh, grand, je n'arrive plus, à cause de ce qu'il fait, je n'arrive même plus à avoir un client, je souffre, je machin et tout. Il connaît bien de quoi ils sont en train de parler. Il connaît bien. Tu ne peux pas mettre Malox à genoux. Tu attends plus de 2 ans, 3 ans pour venir te mettre et dire que je l'avais mis à genoux. Tu ne peux pas. Il n'y a personne qui peut faire ça. Tu mets Malox à genoux, je te demande pardon. Là, 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 tu vas publier ça dans le monde entier. Surtout lui-là. Mais comme il t'a appelé pour faire le duo avec toi maintenant contre Malox, je vais vous montrer que vous deux, vous ne pouvez pas. Moi, je vais vous briser. Tu dis que tu veux profiter du clash pour faire ton business, hein? Et vendre tes machins là, hein? Ok, d'accord. On va voir si après ça, tu pourras même encore vendre un savon à quelqu'un. J'ai dit qu'on va voir si après ça tu vas pouvoir encore vendre un savon à quelqu'un. Comme il t'a appelé là, il t'a menti, hein. Ma chérie, il te trompe. Il te trompe. Ce que tu es en train de vouloir faire là. Moi, je viens écouter ton direct. Je viens écouter ton direct. Et votre petite manipulation que vous voulez faire là, moi, je vous dis que vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas prendre les gens pour des idiots à ce niveau. Quelqu'un a fait une vidéo. Ça fait plus d'un mois. Moi-même, j'ai vu la vidéo là. Il a fait la vidéo, ça fait plus d'un mois, même j'ai vu la vidéo, il a dit que le petit s'y cherchait le buzz. Parce que net après cette vidéo, il a fait une vidéo, il insulte Samuel Eto'o, il insulte Valsiro, il insulte Malox. Il a su que le type, s'il veut qu'on parle de lui, ça a cuit. On a enlevé toutes ses chances par le derrière. Il veut maintenant la visibilité, ça a cuit. Il a dit qu'il m'en fout, il ne parle pas. Mais toi, comme il t'a appelé, tu veux Mimba que tu as les abonnés, que tu réactives le mata. Hein? Tu as la chance que depuis que tu parles là, tu n'as pas encore dérapé. Tu parles là, tu n'as pas encore glissé. J'écoutais ton direct. J'attendais la glissade. Et moi, je suis en train de te dire ça. Pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire là. Tu dis aux gens que j'ai fait quoi? J'ai seulement fait une vidéo, j'ai ri. Si tu ne veux pas à tout prix qu'on. Nous sommes sur les réseaux sociaux, hein. Si tu ne veux pas qu'on prête attention à un sujet, tu ne peux pas faire 3 posts. Tu as fait au moins 3 posts sur cette histoire. Tu as fait au moins 3 posts. Tu as fait le premier post, les gens t'ont critiqué. Tu as fait le deuxième avec la vidéo. Et tu t'apprêtais à faire le troisième.
parce qu'il t'a appelé et que vous voulez maintenant faire le duo, vous deux contre Malox. Hein? Mais laisse-moi te dire qu'il ne t'a pas dit ce qui s'est passé. Je suis un vieux dans l'histoire là. Je suis un vieux bandit. Et comme tu dis que oh, tu as les abonnés, j'ai les m'abonnés, j'ai les fans. Qui t'a dit que tu as les fans? On est fans de toi, que tu as quoi? Tu es quoi? Qu'est-ce qui vous trompe même sur Internet? Que oh, Malox, tu as les fans, j'ai les fans. Tu as les fans, que tu as quoi? Ton histoire, c'est quoi? Quelle est ton histoire? On va s'inspirer de toi, qu'on s'inspire de quoi? Au juste, quelle est ton histoire? Aïcha, tu viens d'où? Tu sors d'où? Ton histoire, c'est quoi? Hein? Tu dis que tu as les fans. Moi, Malox va dire qu'il a les fans. Ça va faire 20 ans que les gens me suivent. On m'a vu partir du sous-sol jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Preuve à l'appui. Toi, tu dis que tu as les fans, que ton histoire, c'est quoi? Oh, tu sors d'où? Hein? Le Congo, ça, tu fais le boubou tombe, hein? Tu as mon numéro, non? Tu as dit aux gens que tu as mon numéro, non? Que tu me connais, non? Tu écoutes une histoire. Tu vas aborder un sujet sur ta page. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander. Tu ne peux pas. Tu écoutes une histoire. Tu dis que tu es innocent. On ne t'a pas appelé. Vous n'êtes pas en train de faire un plan. Tu écoutes une histoire qui s'est passée il y a 4 ans. Tu ne veux pas m'appeler pour me demander. Tu ne peux pas m'écrire. Tu ne m'écris pas, non? Tu fais un post. Tu fais deux. Comme ça ne suffit pas, tu fais la troisième, tu fais la vidéo. C'est parce qu'en fait, tu cherches quelque chose. Et comme ce quelque chose n'est pas en train de donner, tu veux y changer de version. Mais moi, je t'ai dit, j'ai écouté ton direct tout à l'heure. J'attendais que tu dérapes. Aïcha, j'attendais que tu dérapes. Ne vois pas les petits abonnés comme eux d'embêter. Tu vois faire la vidéo qui a dit que après ça, mais Lyon, je pars à Paris. Tu crois que Paris, votre Paris là, c'est quoi? Tu crois que vous êtes à Paris, vous êtes quoi? Hein? C'est même ton petit Paris là qui te sauve. Tu crois que quand vous êtes en France là, vous êtes quoi? Je t'ai dit que j'attendais que tu dérapes. Comme il t'a appelé pour te dire que vous faites le duo contre moi, il n'y a pas de lézard. J'attendais que tu dérapes. Il est parti au CED. Tu connais le service en cale du CED? C'est là-bas qu'on garde tous les terroristes et les ministres là. Les voleurs de la République. C'est là-bas au service central qu'il a déposé la plainte. Donc son former ministre l'a envoyé là-bas que go déposer en balle. Je suis arrivé là-bas en veste. Je suis d'abord arrivé en veste. Chaud à mort, mon avocat, chaud à mort. Tout le monde connaît. Donc tu crois qu'un vieux bandit, tu vas le prendre, tu vas le l'embrouiller. On dit que audition. Et démonter au petit là que tu ne connais rien, petit frère. Tu es un prisonnier en bilan, tu ne connais même pas. Il fallait voir comment il sortait de là en fuyant, comme un rat. Aujourd'hui, il se lève, il dit que il m'a mis à genoux. Tu peux mettre Malox à genoux. Tu connais. Quand vous entrez au service central du CED, vous savez même où c'est. On demande pardon là-bas. Quand tu entres là-bas, on demande pardon là-bas. Il y a pardon au service central du CED. Quand tu entres là-bas, il n'y a pas pardon là-bas. Hein? Quand tu as tort, tu as tort. Quand tu as raison. Hein? Il n'y a pas de que je suis venu demander. N'est pas là-bas qu'on demande pardon. Je vous entends là, vous parler. Je sens que les gens qui n'ont jamais. Sur Internet, tu vois les gens qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Hein? Hein? Il avait commencé son truc là sur Internet, il disait que tu ne peux pas me dépasser. Même si on me sait, après, je disais que non, pardon, je vais venir faire la paix avec mon frère Malox au Bourbon. J'ai dit que je ne veux pas la paix. Petit frère, je ne veux pas la paix. Maintenant, c'était que oh, je vais porter plainte. J'ai porté plainte au service central. Il croyait que je ne vais venir. Je suis venu. Je suis venu. Et comme tu es en train de parler là, tu avais la possibilité de m'appeler pour me demander. Tu ne m'as pas appelé. Tu as fait 1, 2, 3 posts, la vidéo, pour montrer que tu vas activer, tu vas bailler le problème là. Moi, je te dis que j'attends que tu dérapes une seule fois. Je vais te montrer que même un savon, même une aiguille, tu ne vas plus vendre. Peu importe le temps que ça va me prendre, même un savon, tu ne vas pas me vendre. Je ne sais pas ce qui vous trompe. Hein. Je ne sais pas ce qui vous trompe. Moi, je choque sur Internet et je choque dans la vie en vrai. Je ne suis pas dans vos films que vous vivez là, que je vous vois, vous êtes sur Internet, pause de publicité. Moi, je ne suis pas dans la pause de publicité. Hein. Je choque en vrai. Et moi, je te dis, et je te préviens encore, je fais le direct là pour te dire et te prévenir. Parce que je ne vais pas revenir dessus deux fois. Si tu veux entrer dans ça, si tu veux acheter le problème là, ça va devenir ton problème. Il dit que si tu veux acheter le problème là, ça va devenir ton problème. Je ne t'ai jamais, je dis jamais cité dans quoi que ce soit. Parce que je te considère comme une petite sœur. Je t'ai vu à Paris dernièrement. Tu avais ton stand là-bas, tu fais la publicité des produits.
Je me suis rapproché de ton stand. C'est le seul stand où je me suis arrêté comme ça et fait la com de tes produits. Parce que je te considère comme une petite soeur. Quand tu gagnes ton argent, tu ne me donnes pas. J'étais libre de ne pas faire. Quand tu gagnes ton argent, tu ne me donnes pas. Mais quand le petit là t'appelle, aujourd'hui, il veut faire le duo avec toi contre moi. Le problème que tu vas acheter là, il va te montrer que tu n'es pas encore né. Crois-moi sur parole. Oh, j'ai fini mon direct, mais Lyon, après je prends la route pour aller sur Paris. Tu crois que Paris c'est quoi? Tu crois que quand tu dis les trucs là, tu intimides les qui avec ça? Tu crois que tu intimides les qui avec ça? C'est pour les petits rêveurs sur internet qui vous suivent. Tu crois que tu peux m'intimider avec ça? Ou tu crois que tu intimides les gens qui me suivent avec ça? Que je fais mon direct, après il passe sur Paris. Tu crois que tu peux intimider qui avec ça? Que oh, il est arrivé au 7, il a dit que Ndebso et machin, ça veut dire que comédien. Qu'est-ce que tu essaies de confirmer là? Tu étais là? Qu'est-ce que tu essaies de confirmer? Pour ceux qui sont sur Internet, hein? Pour ceux qui sont sur Internet, vous connaissez le service central du 7? Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous croyez que c'est là-bas qu'on se parle pour ces mecs à genoux, dis pardon? Vous n'aimez? Hein? Je crois que vous êtes très mal informé. Hein? Je crois que vous êtes très mal informé. Mais moi, je fais ce direct. Et il n'a même pas besoin d'être long. Pour te dire à toi, Aïcha, que comme tu as décidé de franchir la limite entre le fait que toi et moi se connaît de manière personnelle et le fait que tu vas t'aligner maintenant avec les gens pour arriver sur moi, ok, d'accord, continue. J'attends que tu dérapes. Oh, je vais vendre mes grèves, tu as tes fans, j'ai mes fans, j'ai les... J'attends que tu dérapes, pas les films qu'on te raconte sur internet là, les machins que tu fais avec, si c'est la fille qui fait les voyances là. Attends que tu dérapes. Oh machin, je vais poser. On trompe les gens, ils voient même un villageois. Il se lève, il pose au service central. Un villageois. On lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre. On lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre. Un tintin. On pose des questions, il n'arrive pas à répondre. Après, ils sont passés mettre sur Internet. Oh, j'ai aidé Samuel Eto'o. Valsero a fait ceci. Oh, Malox, c'est qui? Il m'a demandé pardon. Tout ça pour toi seul. N'est-ce pas, on a vu comment tu as fait les vidéos de 3 minutes. Ça t'a donné l'argent que tu as fait la villa. Oh, wow. Mieux de toi. Depuis que tu formes les gens là, combien ont des villas comme toi? Imbécile. On m'a un baiser comme ça là. Tu es fou, idiot. Hein? Tu racontes quoi? Passe ton temps à mentir au petit frère. Parce que nous, on doit vous dire, c'est mal, on doit seulement tout accepter. Hey, arrêtez vos trucs là. Hein? Et t'as dit, Aïcha, comme tu as décidé de t'aligner avec lui, moi, je vous attends à deux. Il va vous briser, qu'on ne vous manque même pas. Mettez-vous même à toi, vous venez. Je vous attends. Mais toi, là, la décision que tu as prise aujourd'hui, là, il va te faire manger ça. La décision que tu as prise aujourd'hui, là, que tu as commencé un, deux, trois postes, là, hein? Continue à développer ce que tu veux développer, là. L'idée que tu voulais introduire, là, on connaît que c'est l'introduction. Tu voulais introduire une idée dans la tête des gens avant de commencer à parler. L'idée que tu veux introduire là, continue à parler. Continue à parler. Tu voulais lancer le caillou, l'oiseau a vu. Continue à parler. Et je vais reprendre le problème là à zéro, là où ça avait commencé. Et je vais te mettre dedans. Il dit que je vais reprendre le problème là à zéro, là où ça avait commencé, je vais te mettre dedans. Tu es folle. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mon type! Cooper, ce n'est pas encore l'heure des coches. C'est encore l'heure des avertissements. Tu sais comment avertir toujours. Ce n'est pas encore l'heure des coches, c'est encore l'heure des avertissements. Elle a dit que on lui a déjà tout fait, on lui a déjà tout dit. Rien ne peut plus la toucher. Hein? On t'a trompé, hein? On ne t'avait pas encore tout dit. Dérape seulement. Continue à suivre le plan que Steve t'a donné. Tu as commencé avec l'introduction, non? Tu as fait un post, deux posts. Tu ne peux pas faire trois posts sur Internet alors que ce n'est pas quelque chose que tu veux développer. Tu dis que j'ai seulement ri. J'ai fait quoi de mauvais? Quand le public commence à t'insulter, quand les gens commencent à t'insulter, te disent que tu as tort, tu dis que tu as seulement ri. Tu voulais seulement rire, tu fais trois posts. Et tu fais une vidéo. Tu es sûr que tu voulais seulement rire? Tu commences à te justifier seul. Vous dites qu'on m'a appelé. Vous pensez qu'on m'a appelé. Je travaille pour qui? Tu te justifies. Hein? Qui s'excuse, s'accuse. Je te dis que comme il t'a appelé.
Et quand vous vous êtes assis, vous avez dit que bon, maintenant, on va s'asseoir pour choquer. C'est moi qui vais bailler le problème de Malox. Comme tu penses que tu peux prendre mon problème, où je l'ai terrassé, lui, avec ses amis fumeurs, ministres, il y a 4 ans. Toi, tu veux payer ça aujourd'hui. Ok, d'accord. J'attends que tu dérapes. Je ne suivais pas ta page. Je vais m'abonner. Je vais commencer à suivre ta page. J'attends que tu perdes la route, Aïcha. Je dis que peu importe le temps que ça va me prendre. Émile la connaît. Même 100 ans. Tu vas encore vendre un savon, ce ne sera pas moi. Vous faites même la sorcellerie. Qu'est-ce qui vous dérange même? Que je connais Malox depuis, ce n'est pas maintenant comme vous là que je connais. Tu me connais depuis, qu'est-ce qui empêche que tu m'appelles? Tu me connais depuis, qu'est-ce qui empêche que tu m'écrives? Quand vous voulez faire la sorcellerie, on vous attrape. Vous changez de bouche. De toutes les façons, moi, j'ai fait le direct pour te dire. J'ai fait le direct pour te prévenir. Que il a mis Malox à genoux, imbécile. Tu veux mettre Malox à genoux? Tu es fou, vraiment. Un tchèlet comme ça, un depso. Tu peux mettre Malox à genoux, imbécile. Tu peux même mettre à genoux. Tu demandais pardon ici, pardon. Je vais venir au boivement. Tu appelles mes amis, tu appelles tout le monde. Pardon, je vais venir au boivement faire la paix avec Malox. C'est-à-dire que je ne veux pas la paix. Je ne veux pas ta paix. Je fais quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? L'argent est ton terrier qu'on a fini là. Tu veux me donner ça? Tu veux me payer le vin avec ça chez moi? C'est la malchance. Tu veux mettre la malchance dans ma caisse, dans mon business? Vraiment feignant. Tu me dis qu'il se met à la télé. Machin. Quand tu parlais, le jour-là, tu arrives au 7. Tu arrives au 7. On croit que tu es même venu défendre quelque chose. Oh, il m'a insulté. Vraiment villageois. Et pourquoi je suis sorti? Pourquoi je suis là? Comme tu avais donc raison, pourquoi je suis là? Tu avais raison il y a plus de 3 ans. Pourquoi tu n'as même pas demandé qu'on fasse un poste? Pourquoi tu n'as pas exigé qu'elle fasse le poste pour te demander des excuses? Hein? Ah, c'est maintenant que tu crois que les gens ont oublié. Comment tu demandais pardon, tu vas venir au boivement. Tu crois que les gens ont oublié. Maintenant, tu t'assois sur Internet. Il y a les miens à genoux. Toi, tu peux me mettre à genoux. Tu es fou. Tu peux me mettre à genoux. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu peux me mettre à genoux, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Maintenant, comme tu ne peux pas gérer, tu appelles Aïcha. Tu veux te cacher derrière Aïcha Kamoaz. Une femme, tu appelles Aïcha Kamoaz derrière. Ma chérie, aide-moi, ça a cuit. Il y a besoin de revenir. Il faut que tu appelles, il faut que tu déclenches un mouvement sur Malox. Il faut savoir que Aïcha, il va te dire un truc qui se dit dans la rue. Le receleur écope toujours plus que celui qui a volé. Comme tu es en train d'acheter le problème là, sache que le receleur écope toujours plus que celui qui a volé. Peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Demande aux gars qui sont dans le ghetto ici, moi te dis. Quand on te dit que le receleur écope celui qui a plus que celui qui a volé. Demande aux gars qui sont dans le ghetto, ils vont te dire ce que ça veut dire. Comme tu vas acheter le problème, sache que tu deviens le receleur. Ce qu'il gardait pour ne pas dire sur lui, c'est sur toi qu'il veut dire ça. Ce qu'il gardait pour ne pas sortir sur lui, c'est sur toi qu'il veut sortir ça. Continue. Il dit que continue. Le schéma a commencé à être développé. Développe. Moi, je vais m'abonner seulement pour te suivre. J'attends que tu dérobes, ça devient un vrai problème. Tu crois comme tu es en France là. C'est la France qui est trop loin. On ne peut rien dire sur toi. Que je suis en France. Je suis maire de ceci, je suis maire de cela. Je suis en France. J'ai le business de cela. Ma chérie. Continue, non? En tout cas, moi je faisais ce direct pour te dire. Que tu suives ou que tu ne suives pas, ce n'est pas mon problème. Ils vont te passer le message. Comment t'as appelé pour faire là? J'espère que tu vas faire jusqu'à la gare.